Montreal company Pal Dynamics makes steel friction dampers to help buildings absorb the shock of earthquakes. These are installed in over 200 buildings around the world, as well as at Concordia University's Library Building, EV Building, and the John Molson School of Business Building. Pal Dynamics was founded by Avtar Pal, who in 1979 obtained his PhD from Concordia's Faculty of Engineering and Computer Science. Dans ce projet, si ce qu'on cherche à faire, c'est reproduire le comportement d'un bâtiment réel en laboratoire, plus précisément reproduire les déformations de la structure, donc les étages se déplacent latéralement pendant un séisme, reproduire ce déplacement-là pour imposer à l'amortisseur de la compagnie Pal les mêmes sollicitations, c'est-à-dire les mêmes déformations, les mêmes forces que ce qu'on verrait pendant un tremblement de terre réel. This test is the first test that it's running in a structural lab on a full-scale frame, diagonal and damper. So it's the first time when we test the behavior of a real friction damp brace frame. We can use this system to dissipate energy under a strong earthquake. Le laboratoire qu'on a ici, c'est effectivement un des plus grands au Canada, un aussi qui est parmi les mieux équipés. On a toutes sortes d'équipements, dont plusieurs pour reproduire des sollicitations sismiques. Par exemple, on a des unités hydrauliques qui alimentent les vérins hydrauliques qui permettent d'imposer des grands déplacements à de grandes vitesses. Alors, dans le montage qu'on a ici, une des particularités, c'est qu'on peut imposer les sollicitations sismiques en temps réel, c'est-à-dire dans le même temps que ce qu'on verrait pendant un séisme réel. Donc, on a des vérins hydrauliques qui poussent sur la structure de telle sorte à imposer les mêmes déplacements dans le même temps au spécimen qui est étudié. After an earthquake, probably in the worst case scenario, it's only the damper that has to be replaced, but the entire structural system remains in place. It's not damaged. Moi, je travaille surtout sur les structures de bâtiments en acier. Je travaille principalement sur les règles de conception parasismique, c'est-à-dire comment dimensionner les éléments de la structure de telle sorte qu'on ait un bon comportement lors d'un séisme majeur. With this program, we try to develop a technology, a methodology, which is called a force-based methodology that is appropriate with the development of National Building Code of Canada, such that the people can use this system on a large scale.